Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un drôle de fruit que l'on appelle en Martinique le cornichon pays. Le voici. Vous le connaissez sans doute sous le nom de bilimbi. C'est un fruit assez incroyable et pour en apprendre un peu plus sur lui, je vous propose un petit jus détox. En ce dimanche matin, on va faire le plein de vitamines. C'est parti. Je vais utiliser des ingrédients que j'ai à ma disposition. Dans mon jardin, j'ai la chance d'avoir de l'aloe vera. Dans mon frigo, je dois avoir un concombre. Et pour terminer, mon petit péché mignon, le basilic. Tous nos ingrédients sont réunis pour notre jus détox. Nous avons notre aloe vera, le cornichon pays, le concombre et le basilic. Mais vous vous demandez certainement pourquoi un cornichon. Le bilimbi en fait fait partie de la famille des caramboles et on m'a mis en garde contre son acidité. Pour vous donner une idée, le citron vert va avoir un pH de 2,3. Le bilimbi, lui, est à 0,9. Vraiment, je suis très curieux, je vais en goûter un bout cru. J'ai jamais mangé quelque chose d'aussi acide. Je ne sens plus ma langue. Sincèrement, ça vaut tous les bonbons acidulés que j'ai pu goûter étant petit. La tête brûlée à côté, c'est rien. Voici à quoi il ressemble de plus près. Il est très très juteux et croquant. Mis à part son acidité, le bilimbi, le cornichon pays, a énormément de vertus médicinales. On va l'utiliser pour soigner les mal de dents, les douleurs articulaires, mais aussi contre l'acné par exemple. Passons maintenant au concombre. J'effeuille mon basilic. Et pour terminer, place à l'aloe vera. Pour sa préparation, c'est un peu plus compliqué. Il faudra enlever toute sa peau. Et voilà. Voilà la belle pulpe d'aloe vera. Une petite cuillère de sucre par-dessus tout ça. Allez, c'est parti. Hop. Goûtons. C'est délicieux, c'est beaucoup, beaucoup trop bon. Des glaçons, de l'eau pétillante, peut-être deux petites choses qui peuvent être ajoutées pour rendre ce cocktail exceptionnel. Vous voulez poursuivre l'aventure, je vous propose deux réalisations juste ici et ici, un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.